Eh bien, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, comme dirait l'autre. Je suis heureux de vous accueillir à nouveau dans notre carrefour de l'horloge. Je vous remercie d'être venus malgré les rigueurs climatiques, ou peut-être à cause d'elles, je ne sais pas, mais enfin vous êtes venus, et c'est ça qui fait plaisir. Et pour cette réunion qui me paraît aujourd'hui particulièrement intéressante et passionnante, nous recevrons donc M. Christian Gérondeau, dont je vais parler tout à l'heure, bien entendu. Comme d'habitude, si vous allez, je vais me faire les annonces de la paroisse. Et je vais donc vous dire qu'après avoir reçu le 9 novembre Yvan Blot sur le thème de l'homme héroïque, et avant de parler de Christian Gérondeau que nous recevons maintenant, je voudrais attirer tout particulièrement votre attention sur notre prochaine grande manifestation publique. Il s'agit du prix Lysenko qui aura lieu le samedi 16 décembre 2017 à 15h à la Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique. Cette réunion est ouverte à tous et à toutes. La participation aux frais est de 5 €, ce qui me paraît raisonnable. Qu'est-ce que c'est que le prix Lysenko? Le prix Lysenko est créé par le Carrefour de l'Horloge en 1990. Il est attribué chaque année à un auteur ou une personnalité qui a, par ses écrits ou par ses actes, apporté une contribution exemplaire à la désinformation en matière scientifique ou historique avec des méthodes ou arguments idéologiques. Donc vous avez compris, c'est notre canular annuel, mais c'est un canular sérieux parce que cette désinformation est quelque chose qui nous touche tout particulièrement. Les lauréats sont choisis par un comité scientifique formé de spécialistes des diverses disciplines, mathématiques, physique, chimie, géologie, géographie, météorologie, biologie, et j'en passe. La composition du comité reste bien entendu secrète, de manière à protéger la liberté de jugement de ses membres. Vous pouvez demander les documents relatifs aux précédents lauréats au Carrefour de l'Horloge en vous adressant à notre site cdh.fr/lysenko-php. Vous savez tous qui était Lysenko, maître de la biologie soviétique sous Staline et Khrouchtchev. Lysenko combat la génétique en montrant que ses enseignements étaient contraires au marxisme. Selon son analyse, la science progressiste appelle à la transformation de la société et s'oppose à la science réactionnaire, bourgeoise, fasciste, nazie, qui justifie le conservatisme et l'inégalité. Ceux qui s'attaquent aux théories jugées par eux réactionnaires et dénoncent les auteurs qui soutiennent celles-ci dans les divers domaines de la science sont fidèles à l'inspiration de Lysenko, à défaut de s'attacher à la lettre de sa pensée. Or, je crois que des candidats au prix Lysenko, nous en avons beaucoup aujourd'hui, en France, en Europe et dans le monde. Mais particulièrement, nous, ce qui nous intéresse, c'est la France. Donc, je répète, le samedi 16 décembre, à 15h à la Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique, Paris 7e, il sera attribué ce prix Lysenko à Patrick Boucheron, historien, pour sa déconstruction de l'histoire de France. La déconstruction de l'histoire de France. D'autres réunions sont prévues, mais celle-là est vraiment le point d'orgue de notre manifestation de ce semestre, et je vous demande d'y venir nombreux et de le faire savoir à ceux qui vous entourent. Donc vous avez tous, je suppose, des machines avec un clavier et de l'internet. Diffusez-le quand vous aurez quand vous verrez sur le site la diffusion de cette réunion. Le 25 janvier, nous recevrons le professeur Jean-Louis Harouel sur le thème gauche-droite, ça n'est pas fini. Cette publication de cet ouvrage m'a particulièrement intéressé, puisque le Carrefour de l'Horloge avait publié en 1990, je crois, autour de ces années, un ouvrage sur le même thème qui s'intitulait Droite-gauche, un clivage dépassé, point d'interrogation, sous la direction de Bernard Mazin. Donc j'ai eu l'honneur de participer à la construction de cet ouvrage. Il y a un chapitre dont je suis l'auteur, mais je ne suis pas le seul. D'autres écrivains plus brillants que moi sont venus apporter leur, leur,
leur concours sur ce thème. Donc, le 25 janvier 2018, Jean-Louis Harwell, gauche-droite, ça n'est pas fini. Et bien entendu, j'annoncerai d'autres réunions qui sont prévues ultérieurement au cours de ce semestre 2018. Ce soir, nous avons le grand honneur, et je tiens à le signaler, et j'en suis absolument je suis très sincère en le disant, le grand honneur de recevoir M. Christian Girandeau, l'ingénieur général Christian Girandeau. D'abord, il est polytechnicien. Vous allez me dire, ce soir, ça fait déjà 2X au moins dans la salle. Il est ingénieur général des Ponts et Chaussées. Il fut l'auteur des plans du RER, puis délégué à la sécurité routière. Et sans aucune flagornerie de ma part, et aussi très sincèrement, je dois dire qu'à ce titre, c'est un bienfaiteur de l'humanité. Vous allez me dire, le titre est bienfaiteur de l'humanité. Eh bien oui, parce que la politique que Christian Girandeau a mis en place, et qui a bien entendu été poursuivie par la suite, a permis de réduire le nombre de décès d'accidents de la route, tenez-vous bien, de 18 000 par an à 3 000 par an. Donc, vous vous rendez compte, les milliers de personnes qui lui doivent la vie aujourd'hui, et qui ne le savent naturellement pas. Donc, c'est bien ce que je dis, Christian Girandeau est bien un bienfaiteur de l'humanité. C'est aussi un des grands penseurs de notre temps. Il s'illustre par une analyse objective, rigoureuse, approfondie et profondément novatrice des sujets les plus controversés du monde actuel. En fait, c'est un homme, si je puis dire, il contredira s'il pense pas, s'il estime que ce que je dis est faux, qui, lorsqu'il prend un sujet, il ne se contente pas de le survoler, d'en survoler les frontières et d'en déduire immédiatement une idée, et la plupart du temps orientée d'ailleurs, et à partir de laquelle il va juger les travaux ou les œuvres de personnes. Quand il prend un sujet, il le prend de A, naturellement c'est un polytechnicien, et il va jusqu'à B, et il va jusqu'à Z, et il va jusqu'au fond du sujet. Il le travaille tout particulièrement. C'est pour ça que c'est son exposé de ce soir, comme ses ouvrages sur le même thème, sont une garantie de sérieux, de fiabilité, qui pose d'ailleurs d'autant plus la question de la désinformation dans laquelle nous vivons sur les sujets, notamment celui de la climatologie. Auteur de nombreux ouvrages, il a affirmé son climato-scepticisme dans « L'écologie et les imposteurs »,« Écologie, la grande arnaque »,« Écologie, la faim », Climat, j'accuse. Climat, la grande manipulation. CO2, catastrophe ou bienfait. Le dernier, aux éditions du Toucan, publié en mai 2017. Monsieur l'ingénieur général, si les thèses réchauffistes sont exactes, alors notre planète tout entière est en danger. Et il est urgent de se plier à toutes les exigences qui sont demandées par les écologistes professionnels. Tout ça dans le but de nous sauver de la catastrophe qui nous attend. Mais si en revanche ces thèses réchauffistes sont fausses, nous sommes tout simplement devant la plus grande désinformation du siècle. Mais dans quel but est-elle diffusée? Quel dessein poursuit le GIEC et consorts? Ne sommes-nous pas en présence d'une forme nouvelle de totalitarisme qui vise à enfermer l'individu libre au fond de lui-même, lui dicter son comportement et même sa manière de vivre? Monsieur l'ingénieur général, vous avez la parole. Bien. Bon, tout d'abord, merci pour ces mots d'accueil qui sont tout à fait excessifs. Je ne me considère pas comme sauveur de l'humanité, parce que c'est quand même un titre. Bienfaiteur, j'ai pas dit bienfaiteur, ça. Bienfaiteur de l'humanité. Bon, c'est vrai, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, on pourrait en débattre longuement. On a fait beaucoup de progrès dans le domaine de la sécurité routière et que, heureusement, il y a beaucoup moins de victimes. Vous avez également indiqué que, quand je m'attaquais à un sujet, aujourd'hui c'est le climat, mais il y en a d'autres, j'essayais d'aller jusqu'au fond des choses. J'ai dit que vous alliez jusqu'au fond des choses. C'est pas très facile. Hein. Le premier livre que j'ai écrit sur l'écologie, je commençais, le premier paragraphe, quand je le relis aujourd'hui, je disais, mais tout le monde dit, tous les savants sont unanimes, il y a un réchauffement climatique très dangereux, donc il faut limiter les émissions de gaz à effet de serre, c'est ce qu'on entend tous les jours. Et donc, ben, je l'ai cru jusqu'au jour où je me suis mis à regarder les choses de plus près,
Et là, je suis arrivé à des conclusions qui ne sont pas du tout les mêmes, bien entendu. Sans ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Alors, replaçons-nous dans l'actualité. J'ai commencé comme ça. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a eu un mois, même pas un mois, trois semaines, je crois, une grande réunion qui s'est appelée la COP23. Alors, on n'en a pas énormément parlé. C'est une réunion qui s'est tenue en Allemagne. Pourquoi COP sur le climat ? Bon, COP, c'est de l'anglais, bon, peu importe, mais ça veut dire COP23, c'était la 23e réunion sur le climat. Il y en a une par an. Et quelle a été la décision prise à l'issue de cette réunion importante ? Ben, c'est qu'on allait organiser une COP24. Alors, la COP24 aura lieu en Pologne. Et d'ailleurs, c'est curieux, parce que c'est un pays qui produit beaucoup de charbon, mais enfin, on n'en est pas à un paradoxe près. Et il faut bien voir que depuis l'origine de ces réunions annuelles, c'est la seule décision qui ait jamais été prise. Chaque année, on décide de se réunir l'année suivante. Alors, vous me direz, il y a une COP dont on a beaucoup parlé, la COP 21, qui a eu lieu à Paris il y a 2 ans. Et ben là, on a pris une décision. Les chefs d'État du monde entier ont décidé que la température à la fin du siècle, en 2100, n'augmenterait pas plus de 2 degrés. 2 degrés par rapport à l'époque d'il y a 150 ans, c'est-à-dire 1 degré par rapport à l'époque actuelle. Donc voilà la décision qui a été prise. Mais ça, c'est quand même un peu curieux comme décision. Donc on est retrouvé au Moyen-Âge. On décide que la température ne va pas monter de plus d'un degré. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour ça ? Ben là, on n'a rien décidé du tout, sinon que la COP21 allait se réunir un an après la COP22. Et pourquoi est-ce qu'on n'a rien décidé ? Parce que les gens qui étaient là sont en face de la quadrature du cercle, comme chaque année. D'un côté, le dogme veut qu'il faille absolument réduire les émissions de gaz à effet de serre et de gaz carbonique. Et précisément, pour la COP21, on a dit qu'il faut les diviser par 2 d'ici 2050. Ça, c'est un côté. Mais pourquoi est-ce que c'est une quadrature du cercle ? Parce qu'elles continuent à augmenter. Et elles vont continuer à augmenter. Et c'est bien ce qui a été constaté par des gens qui ne sont pas très suspects, la Fondation Nicolas Hulot, qui, quelques semaines avant la COP21, a eu la curiosité de faire le total des prévisions d'émissions des 200 pays de la planète. Et catastrophe, au lieu d'être divisé par 2, on s'aperçoit que peut-être pas multiplié par 2, mais pas loin, parce que ces pays, les pays en développement, ont besoin d'énergie pour se développer et qu'ils n'ont pas du tout envie de réduire leurs émissions, ce qui voudrait dire réduire leur consommation de pétrole, de charbon et de gaz naturel. Ce sont les 3 produits qui produisent le CO2. Et à juste titre, ils font valoir, par exemple, en Inde, qu'un Indien en moyenne émet 1,5 tonne de CO2 par an. Dans les pays développés, c'est 10 tonnes par habitant. Donc là, on est à un ratio. En Afrique, c'est encore moins. Et ils disent, mais attendez, qu'est-ce que vous nous demandez ? De réduire encore nos émissions ? On en émet déjà 5-10 fois moins que dans les pays développés. Mais il n'en est pas question. Parce que nous, on veut de l'électricité, on veut des voitures, on veut des avions, etc. Et donc, on est devant une quadrature du cercle. Et cette quadrature du cercle, elle existe depuis le début. Chaque année, on se réunit pour dire qu'on va diminuer les émissions, et chaque année, on constate qu'on ne peut pas. Alors, ça peut durer encore un certain temps. Mais, alors, qu'est-ce qui se passe ? Ben, il se passe qu'effectivement, on émet du gaz carbonique, le CO2, dans l'atmosphère. Et effectivement, il y en a de plus en plus. Alors ça, c'est absolument pas discutable. Alors, 2 chiffres, mais enfin, on peut les présenter comme on veut. Il y avait 2000 milliards de tonnes de CO2, disons, il y a 150 ans, avant l'époque industrielle. Aujourd'hui, il y en a 3000 milliards. Donc, une augmentation de 40-50%, mais ça, tout le monde est d'accord. Et ça va continuer. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête, puisqu'on va consommer de plus en plus de pétrole, de charbon, de gaz naturel. Enfin, tout ça, je dirais que c'est du niveau la maternelle, à peu près. Hein, c'est au point de vue difficulté de compréhension. Et si on émet, il y en aura plus. Alors, il faut savoir, pour donner un petit adjuvant, que tout ne se retrouve pas, tout ce qu'on émet ne se retrouve pas nécessairement dans l'atmosphère. Il y en a la moitié qui se retrouve dans l'atmosphère. L'autre moitié est absorbée par la nature, par les océans et par la végétation.
ce qui est très important. Je reviendrai sur la végétation tout à l'heure. Donc, on est devant cette situation que, à la fin du siècle, en 2100, au lieu d'avoir divisé par deux les émissions et qu'il y ait de moins en moins de CO2, il y en aura de plus en plus. Donc, la question qui se pose tout de suite, c'est, mais est-ce que c'est grave? Alors, si on écoute tous les discours qu'on entend depuis, ça fait 30 ans que ça a démarré, eh bien, c'est une catastrophe. Alors, c'est une catastrophe, il va y avoir plus de cyclones, plus de sécheresses, plus d'inondations, d'ailleurs, ça, c'est pas très grave. Bien sûr, plus de température, les espèces animales vont disparaître, beaucoup, et puis on va être, nous, envahis de centaines de millions de réfugiés climatiques. Comme il fera de plus en plus chaud, ils vont partir, ils vont arriver chez nous. C'est ce que vous entendez partout. C'est ce que répète notre président actuel de la République, que je ne mets pas en cause. Bon, il ne fait que répéter ce que tout le monde dit. Alors, tout le monde, c'est qui? Au sommet, c'est les Nations Unies. Les Nations Unies ont ce discours. Le secrétaire général des Nations Unies, il vient de changer, mais il a le même discours. Son successeur, c'est pareil. Des organismes qui dépendent des Nations Unies. Alors, vous avez l'Organisation Météorologique Mondiale. Vous avez un organisme dont on parlera probablement, qui s'appelle le GIEC. On en parle beaucoup, parce que lui, il est spécialisé sur le climat. Et je vous lirai tout à l'heure ce qu'il faut en penser. Il se fait passer pour un organe scientifique. C'est absolument pas un organe scientifique, c'est un organe politique. Mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis, vous avez tous les chefs d'État. Tous, non, pas tous, puisqu'il y en a quand même au moins deux qui se singularisent. Alors il y en a un, on n'ose pas trop dire son nom, parce qu'encore aujourd'hui, il a fait des siennes, là, c'est Donald Trump. Bon, c'est pas vraiment une référence extraordinaire. Mais enfin, il a bien dit que lui, il ne croyait pas et qu'il se retirait des accords de Paris. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir pourquoi il a pris cette position. On pourra revenir dessus. Il y en a un autre qui ne croit pas du tout, qui c'est Poutine. Poutine n'y croit pas parce que l'Académie des sciences soviétique, n'y croit pas du tout non plus. Et après avoir pesé le cours et le compte et écouté les gens qui assurent qu'on va vers la catastrophe, ils sont arrivés à la conclusion que c'était absolument pas prouvé. Donc, est-ce que, et j'ajoute, très important, les académies des sciences, alors pas celle de Russie, je viens de le dire, mais celle de l'Amérique, oui, elle assure qu'on va à la catastrophe, la française à peu près pareil, l'anglaise pareil, enfin, les académies des sciences. Donc, on s'est dit, mais alors, on va avoir une élévation considérable de la température, puisque on aura de plus en plus de gaz carbonique, et puis tous les phénomènes que je viens d'indiquer, bon, chaque fois qu'il y a un cyclone, un feu de forêt, bon, c'est le réchauffement climatique. Alors, comment se faire une opinion ? Il y a une première observation qui est très intéressante, c'est de voir, donc j'ai parlé de l'Académie des sciences, mais les académies des sciences se sont toujours trompées, à peu près. Alors, tout le monde connaît Galilée, c'était pas vraiment l'Académie des sciences, mais enfin c'était l'autorité supérieure qui a expliqué que Galilée avait tort, puisque c'était le soleil qui tournait autour de la Terre et pas l'inverse. Bon, il a fallu 125 ans pour que cette autorité, c'était une autorité religieuse en l'occurrence, reconnaisse que, ben oui, peut-être qu'après tout, c'était plutôt la Terre qui tournait autour du soleil que l'inverse. Mais vous avez Newton, qui un peu après, a émis la théorie de la gravitation, la loi de la gravitation, donc avec la pomme qui tombe, enfin mon stylo aussi d'ailleurs, si on le lâche, il va tomber. Et donc, eh bien, il a fallu 75 ans pour que l'Académie des sciences française reconnaisse que c'était vrai. Parce que là, elle disait non, c'est pas vrai du tout. 75 ans. Il a même fallu que Voltaire écrive un livre. Moi, j'ignorais que Voltaire était mathématicien, mais il n'était pas seulement philosophe. Il a écrit un livre pour défendre la théorie de Newton. Et puis, si vous allez plus loin, ça a toujours été comme ça. Darwin, qui a émis, après avoir été au Galapagos, il a émis la théorie de l'évolution des espèces. On lui a dit pas du tout. Je vous parle un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. Ah, je veux parler plus fort, oui, bien sûr. Pas du tout. Les espèces sont créées comme elles sont. Il n'y a pas d'évolution des espèces. Un autre exemple qui nous concerne en tant que Français, c'est Pasteur. Quand Pasteur a émis, non pas l'idée, mais l'affirmation qu'il n'y avait pas de génération spontanée des microbes, on lui a dit que c'était complètement faux. Et donc, Einstein a eu à peu près les mêmes problèmes. Donc, que se passe-t-il ? Ben, il se passe que
C'est Descartes qui a donné la réponse. Alors Descartes est un esprit extrêmement fin. Il y a une très belle citation. L'unanimité des opinions n'est pas une preuve qui vaille. Je dirais que ça résume à peu près tout. Alors il ajoutait, quand une vérité est quelque peu difficile à découvrir, il serait étonnant que tout un peuple l'ait rencontrée. C'est bien dit. C'est bien dit. Donc, c'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, avec l'Académie des sciences française, la majorité au sein de cette académie confirme les théories alarmistes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais est-ce que, à cette époque, ou aujourd'hui, mais parlons d'aujourd'hui, les 200 et quelques académiciens sont des spécialistes du climat? Mais absolument pas. Il y a 15 disciplines, il y en a qui sont spécialistes de géologie, d'autres qui sont spécialistes de physique, de chimie, de biologie, de tout ce que vous voulez. Et on leur demande de voter. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils votent en fonction de ce qu'ils ont entendu dire. Mais pas du tout parce qu'ils ont étudié le dossier. Et d'ailleurs, ce n'est pas un reproche à leur faire, parce que pour étudier un dossier aussi complexe que c'est presque du temps plein. Donc, ils ne connaissent pas le sujet. Et ça s'est répété tout au long des siècles. Et donc, c'est quand même un peu rassurant de se dire que, bon, ceux qui répètent la catastrophe, ils ont beau avoir tous les titres qu'on veut, alors je ne parle pas évidemment des hommes politiques, eux n'ont aucune formation spécialisée en climatologie, inutile de vous le dire, mais ce n'est pas non plus un reproche, ils n'ont pas le temps, ce n'est pas leur métier. Bon, donc ils répètent ce qu'ils entendent à la radio et à la télévision. Et puis, est-ce qu'ils voient, venant des Nations Unies ou venant d'autres instances supérieures? Donc, et je parle des médias, bon, je ne sais pas si les médias sont représentés ici, mais enfin, les médias sont comme tout le monde, ils répètent ce qu'ils entendent, et ils vous font appel à l'argument d'autorité. Vous n'allez quand même pas dire le contraire de ce que disent l'Académie des sciences, les Nations Unies, l'OCDE, la Banque mondiale, tout le monde répète la même chose. Bon, alors ça, c'est un phénomène quand même un petit peu rassurant. Alors, ceci étant, est-ce qu'on va ou pas à la catastrophe? On revient à la question, en ayant un peu éclairé le débat. Alors, quand on regarde les choses, c'est absolument pas évident. Est-ce que vraiment le fait qu'il y ait beaucoup plus de CO2 va bouleverser les choses? Est-ce que la température va énormément augmenter? Et est-ce qu'on va vers des catastrophes? Alors, tous les gens qui vous disent ça, regardent ce qui s'est passé depuis 40 ans, maximum 150 ans. Mais la Terre a quand même une histoire beaucoup plus longue. Donc, quand on regarde dans un passé beaucoup plus lointain, on est quand même assez rassuré. Il faut savoir que du temps des dinosaures, c'est lointain, bien sûr, mais enfin, les dinosaures existaient, il y avait 4 fois plus de CO2 dans l'atmosphère qu'aujourd'hui. Et si on remonte encore plus loin, là, il y en avait 10 à 15 fois plus. Est-ce que la vie s'est arrêtée? Pas du tout. C'est exactement le contraire. Et ce n'est pas un hasard. Chacun sait que du temps des dinosaures, la végétation était exubérante. Et on l'a tous vu, Jurassic Park, le film, mais enfin, personne ne conteste. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'on a du charbon et du pétrole, parce que les végétaux se sont gentiment transformés en charbon et en pétrole. Et c'est grâce à ça qu'il y avait des animaux monstrueux, 30 mètres de long, 100 tonnes, et quand ils levaient leur cou, ça montait à 10 ou 15 mètres de haut, parce qu'il y avait une végétation qui permettait de nourrir ces animaux. Et pourquoi y avait-il cette végétation? Parce qu'il y avait beaucoup plus de gaz carbonique qu'aujourd'hui. Est-ce que la température était plus importante à cette époque-là qu'aujourd'hui? On pense qu'il était peut-être 2 ou 3 degrés de plus. Mais si on applique les modèles du GIEC, dont je parlais tout à l'heure, c'est très intéressant. On s'aperçoit que la température, avec ces modèles, aurait dû dépasser 100 degrés. Donc, c'est-à-dire que la Terre aurait dû bouillir et qu'on ne serait pas là pour en parler, évidemment, aujourd'hui. Donc, on peut mettre quelques doutes sur ces modèles qui nous disent que pour une augmentation qui est beaucoup plus faible, bien entendu, on ne va pas avoir 4 fois plus de gaz carbonique, on en aura peut-être 30 ou 40% de plus, on va avoir un bouleversement du climat. Donc, on peut avoir un certain doute. Et quand je dis la preuve par les dinosaures, c'est une preuve que j'aime bien, parce que normalement, si les théories en vogue
était exact, bah, il n'y aurait pas dû avoir de dinosaures. La vie aurait dû disparaître de la planète. Alors, il y a aussi d'autres choses qu'on entend très souvent. Et là aussi, ça, c'est rassurant, c'est la hausse du niveau de la mer. Alors, la hausse du niveau de la mer, oui, il y a une hausse du niveau de la mer. Et bon, bah, comme tout le monde, alors j'ai vu le film qu'a fait Al Gore, qui lui a valu le prix Nobel de la paix, qui explique qu'en l'an 2100, la mer va monter de 6 mètres à New York, et la Statue de la Liberté aura de l'eau à peu près jusqu'au cou, peut-être pas, mais enfin, au moins au pied. Et donc, bon, bah, si c'est comme ça, bah, pourquoi pas. Mais là, c'est l'intérêt de regarder les rapports. Et là, je me suis dit, mais il y a une faute de frappe. Parce que la hausse du niveau de la mer, et tous les experts sont d'accord, c'est 2 à 3 millimètres par an. Millimètres. Donc, au bout de 10 ans, moi j'avais pris ça à l'école, je pense que même sans avoir fait polytechnique, on doit y arriver. Donc, au bout de 10 ans, ça fait 2 à 3 centimètres. Et même au bout de 20 ans, ça fait 20 à 30 centimètres. Et on nous dit qu'il va y avoir des pays rayés de la carte. Mais on se moque de qui? On se moque de qui? 20 à 30 centimètres, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Quand il y a des marées un peu hautes, les marées font 5 mètres d'un côté, 5 mètres de l'autre, et quand il y a des tempêtes, il y a des vagues de 10 mètres, alors ils vont faire 10 mètres plus 2 centimètres, et ça va être une catastrophe. Bien entendu, ça ne tient pas debout. Ça s'appelle du mensonge, parce que ceux qui véhiculent cette idée-là, j'ai entendu qu'elle était répétée par le président de la République actuelle, il est certainement de bonne foi, mais il n'a jamais regardé ce que c'était. Parce qu'il répète à nouveau ce que vous entendez tous quand vous ouvrez votre téléviseur ou votre poste de radio. Donc là, c'est quand même plutôt rassurant. Alors, les îles qui vont disparaître, les réfugiés climatiques, parce que l'Inde va perdre la ville de Bombay, la ville de Calcutta, on lit n'importe quoi, ça ne tient pas debout une seconde. Même au bout d'un siècle, s'il faut surélever les digues de 20 cm, on les soulèvera de 30, on les soulèvera de 30 cm. Enfin, il n'y a pas le moindre début d'un risque. C'est pourtant quelque chose que vous entendez tout le temps. Alors, les espèces en voie de disparition, il y a les ours blancs. Alors ça, chacun plaint les ours blancs. Sauf que ce n'est pas du tout une espèce en voie de disparition. Depuis 30 ans, la population des ours blancs est passée de 8 000 à 24 000. Alors, à tel point que le Canada vient de rouvrir la chasse, parce que ces animaux sympathiques ont tendance à venir dans les villages du Grand Nord canadien, et là, c'est plus drôle du tout, parce que c'est quand même pas des bêtes très très gentilles, et donc la chasse a été réouverte. Mais vous entendrez partout que c'est une espèce en voie de disparition. Bon, voilà, si vous voulez, quelques illustrations sur des points qui sont la base de l'argumentation ou de la désinformation dont nous sommes victimes. La hausse du niveau de la mer, alors les réfugiés climatiques, bien entendu, ça, on sait très bien que les gens qui viennent, hélas d'ailleurs, et beaucoup y perdent la vie d'Afrique en Libye pour venir en Europe, c'est à cause du climat. Bon, bien entendu, c'est absolument pas à cause du climat, c'est généralement à cause de conflits, ou bien c'est parce qu'ils ont le rêve qu'ils vivront mieux en étant en Europe qu'en Afrique. Mais ce qu'il faut savoir, j'y reviendrai tout à l'heure, dans les côtés positifs du CO2, parce que la conclusion c'est que le CO2 c'est très bon, c'est pas du tout négatif. Alors, donc vous voyez bien qu'on peut douter des aspects négatifs du CO2. En réalité, il n'y a pas la moindre preuve. Il faut savoir aussi que la densité de CO2, je vous ai parlé de 3000 milliards de tonnes. Alors, ça donne une impression, évidemment, de masse énorme. Le CO2, c'est un des composants de l'atmosphère. C'est en réalité, la concentration est de 0,04%. C'est-à-dire... elle est de moins de 1 millième. Elle est de 0,04%. Je me trompe toujours, c'est-à-dire une molécule sur 2500. En réalité, c'est extraordinairement faible. Il y en a eu beaucoup plus, comme j'indiquais tout à l'heure, dans le passé. Donc, c'est une quantité infinitésimale. Mais ceci étant, cette quantité va augmenter, mais jamais atteindre les niveaux que la planète a connus dans le passé. En réalité, on est dans une époque, dans l'histoire de la planète, de très faible densité de CO2. Et il ne faudrait pas qu'elle baisse cette densité, parce qu'il y a un seuil en dessous duquel la photosynthèse ne fonctionne plus. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose qui, bien entendu, est passé sous silence. Le CO2,
a plusieurs avantages, mais il y en a un qui est très important. C'est précisément la photosynthèse. Et ça, on a tous appris à l'école. La photosynthèse, c'est le CO2 de l'atmosphère, plus la vapeur d'eau et les rayons du soleil. Et ça, ça fait des plantes. Alors, c'est extraordinaire, parce qu'il y en a très peu de CO2. Mais s'il n'y avait pas de CO2, il n'y aurait pas de plantes. Il n'y aurait pas de vie, bien entendu. Et le fait qu'il y ait 40% de plus de CO2 par rapport à l'époque d'il y a 150 ans, ce que je vous disais tout à l'heure, fait que la planète est en train de reverdir. Alors ça paraît extraordinaire, parce que bien entendu, vous ne l'entendrez jamais. Le Sahel reverdit. Les photos de satellites montrent que la végétation se développe. Et la végétation se développe. Ce qui se développe aussi, c'est les rendements agricoles. Les horticulteurs qui cultivent sous des serres pour augmenter les rendements et produire plus rapidement injectent du CO2 en grande quantité. Tu n'as jamais tué un jardinier hein, parce que c'est pas un gaz dangereux. Donc, mais ça permet aux tomates, aux fleurs, enfin, si vous plantez dans des serres, d'aller beaucoup plus vite. Et donc, ce qui se passe au niveau de la planète, c'est ce qui se passe au niveau des serres, des horticulteurs. Il y a de plus en plus de CO2. Donc la végétation va de plus en plus, se développe de plus en plus, et les rendements agricoles se développent de plus en plus. Et c'est un facteur majeur de la lutte contre la famine. Les rendements agricoles augmentent tous les ans et dans des proportions très importantes. 40% de CO2 en plus, ça fait 20% de rendement agricole en plus, comme ordre de grandeur. C'est énorme, c'est absolument énorme. Ça fait 80 kilos par habitant de céréales en plus chaque année. Vous voyez un peu l'ordre de grandeur. Et la famine a disparu de la planète aujourd'hui. C'est pas la seule cause, c'est une des causes. Le seul endroit où il y a des famines, hélas, ce sont les zones de conflit. Mais vous n'entendez plus parler de famine au Sahel, parce que le Sahel a reverdi. Bon, alors ça, tout ça, ce sont des choses que personne ne dit, mais ne serait-ce que ça, c'est évidemment un avantage absolument majeur de l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère. Alors, il y a aussi d'autres phénomènes positifs liés à cette augmentation de CO2. La planète est progressivement en train de sortir de la pauvreté. Il y a, par rapport à il y a 30 ans, 2 milliards d'êtres humains qui sont sortis de la pauvreté. Ce sont les chiffres de la Banque mondiale. Ils valent ce qu'ils valent, mais ils reflètent la réalité. Il suffit d'aller en Chine, il suffit d'aller en Inde, pour voir qu'il y a un progrès absolument énorme qui a été fait. Et ce progrès n'a été possible que parce que ces pays ont consommé du charbon, du pétrole et du gaz naturel. Il n'y a pas de prospérité sans énergie. Et nous-mêmes, nous, depuis le début de l'ère industrielle, nous vivons et nous prospérons grâce à l'énergie. Qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas d'énergie? Comment se déplacerait-on? Comment se chaufferait-on éventuellement? Donc, il faut bien voir que les pays en développement ont triplé leurs émissions de gaz carbonique depuis 30 ans, mais il y a 2 milliards d'êtres humains qui sont sortis de la pauvreté, et c'est le même phénomène. Je dirais que c'est les deux faces d'une même réalité. C'est énorme. 2 milliards, on n'a même pas une possibilité d'imaginer. Mais encore une fois, ceux qui ont voyagé en Chine peuvent le voir. Absolument extravagant. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'aller en Chine. Il suffit d'aller regarder Lafayette. Vous voyez les Chinois qui arrivent et en masse. Et vous dites, il y a 30 ans, ils avaient le col Mao et ils étaient habillés avec un costume de coton bleu. Et maintenant, ils viennent chez nous, dans les hôtels de luxe, pour acheter nos produits. Bon, on est très contents. Mais c'est parce que la Chine est devenue un émetteur considérable de CO2, notamment, pas uniquement, mais essentiellement, en grande partie, pour se doter d'électricité. Il faut savoir que la Chine, jusqu'à l'époque actuelle, a construit une ou deux centrales à charbon de la puissance d'une centrale nucléaire. Chaque semaine, une à deux centrales de la puissance d'une centrale nucléaire depuis à peu près une trentaine d'années. Donc, évidemment, ça se traduit par des émissions de gaz carbonique et de CO2. Mais l'autre, le revers, ou l'avers de la médaille, c'est que ces Chinois sont sortis de la pauvreté. D'ailleurs, maintenant, ils ont des problèmes, puisque le coût de la manœuvre en Chine est devenu trop cher. Et quand ils ont des produits à faire fabriquer, ils les font fabriquer au Vietnam
qui est également en train de sortir de la pauvreté, puis quand ce sera le Vietnam, ce sera, je ne sais pas, c'est déjà le Bangladesh. Donc il y a un progrès général, ou l'Afrique d'ailleurs, et donc il y a un progrès général. Ce progrès général de l'humanité est indissociable de l'utilisation des énergies fossiles. Alors, vous allez me dire peut-être, ben oui, mais alors il y a des énergies renouvelables. Oui, les énergies renouvelables, on entend généralement par renouvelables les éoliennes et puis les panneaux solaires. Le seul problème, c'est que toutes les études montrent, y compris celles de l'Agence internationale de l'énergie, qui sont des gens très sérieux, que vers 2050, si ces énergies renouvelables répondent à 5% des besoins de l'humanité, ce sera le bout du monde. Et il y aura toujours 80 ou 85% qui seront satisfaits par les énergies fossiles. Alors, pourquoi ? Ben, les énergies renouvelables, elles ont un nom qui, tout au moins ces deux-là, qui n'est pas le bon nom. Ce sont des énergies avant tout intermittentes. Bon, c'est-à-dire qu'elles ne produisent de l'électricité que lorsqu'il y a du soleil ou lorsqu'il y a du vent. Enfin, c'est une lapalissade. Mais j'ai déjà entendu des gens me dire qu'on allait, avec les panneaux voltaïques, s'éclairer pendant la nuit. Mais ça, non, ça ne marche pas. Les panneaux photovoltaïques, ça, parce qu'on ne sait pas stocker l'électricité. Bon, c'est un sujet en soi, on va peut-être répondre aux questions. Si on savait stocker l'électricité, bon, c'est très bien, on la produirait le jour et puis on pourrait la consommer la nuit. Mais ce n'est pas du tout comme ça. Et donc, les énergies renouvelables, ça ne peut répondre qu'à une partie des besoins d'électricité, et puis il n'y a pas que l'électricité pour faire voler des avions, pour faire rouler des voitures, quoi qu'on raconte, ou des camions, ou eh bien on a besoin des énergies fossiles. Alors une petite parenthèse, ces énergies fossiles, il y a encore assez peu de temps, on disait oui, mais elles vont être épuisées rapidement. Et on l'entend moins, ça. On l'entend moins parce que quand j'ai commencé ma carrière, il y a déjà quelques temps, on m'avait dit, je ne sais pas si ce qu'on disait, dans le rapport du Club de Rome, qui a fait beaucoup parler de lui, il y a une cinquantaine d'années, qu'on avait pour 25 ans de pétrole. Bon, ben, il y a plus de 25 ans que j'ai commencé ma carrière, et aujourd'hui, on a des réserves prouvées pour 60 ans devant nous. Donc évidemment, il y a comme une petite différence entre ce qu'on affirmait il y a 50 ans et ce qu'on affirme aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a des quantités limitées de ces énergies fossiles, que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz naturel ou que ce soit. Mais elles peuvent durer un bon siècle, d'après ce qu'on sait aujourd'hui. Il faut savoir que les États-Unis, grâce au pétrole de schiste et au gaz de schiste, que nous n'avons pas le droit d'explorer en France, parce que nous sommes très bien dirigés, donc on n'a même pas le droit de chercher à savoir s'il y en a en France, eux, ils sont actuellement, ils battent tous leurs records de production de pétrole. Et ils deviennent exportateurs. Ils sont exportateurs de gaz et ils deviendront peut-être exportateurs de pétrole. Alors qu'il y a 10 ans, ils construisaient des usines pour importer du gaz naturel. Ben, les mêmes usines dans les ports américains, ils les ont transformées pour marcher dans le sens inverse. Donc au lieu d'amener dans des bateaux du gaz liquéfié d'Angola ou d'où vous voulez, pour alimenter les États-Unis, c'est l'inverse qui se passe aujourd'hui. Ils ont trop de gaz de schiste, et ils l'exportent, y compris d'ailleurs en Europe. Donc, on a assisté à quelque chose d'extravagant en moins de 10 ans. C'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Mais de toute manière, le jour que nous ne verrons pas, ni les uns ou les autres, où il n'y aura plus ces ressources, où elles seront vraiment épuisées, l'humanité trouvera autre chose, mais ce n'est pas la peine aujourd'hui de nous poser les problèmes qui auront une actualité dans 80 ou dans 100 ans. On est sûr de se tromper. Bon, il y a beaucoup de gens qui font, qui expliquent tout ce qui va se passer. Bon, ils ont de la chance. Bon, moi je n'explique rien du tout. Mais je dis simplement que ce n'est pas la peine de se poser les problèmes qui ne se posent pas aujourd'hui. Donc, voilà le schéma d'ensemble donc, qui est quand même rassurant. Parce que on s'aperçoit que ce qu'on nous raconte comme certitude, ben, ce n'est pas vraiment des certitudes, la mer qui monte, les cyclones, je vous signale qu'il n'y a pas plus de cyclones qu'avant, il y en a eu beaucoup cette année, mais il y avait 12 ans avant où il n'y en avait pratiquement pas eu. Alors, c'est simplement des phénomènes irréguliers, mais on n'a aucune preuve qu'il y ait plus de cyclones maintenant. Les spécialistes vous disent non, pas du tout. Il y a toujours eu des cyclones de manière irrégulière. Donc voilà, si vous voulez, le panorama d'ensemble
qui est quand même un panorama qui devrait être très rassurant. Parce que l'évolution de l'humanité n'a jamais été aussi positive qu'elle l'est aujourd'hui. Alors elle l'est pour l'alimentation, encore une fois la faim a disparu, sauf dans les zones de guerre. Il y a aujourd'hui plus de gens qui mangent trop que de gens qui ne mangent pas assez. C'est quand même quelque chose d'assez invraisemblable. Il y a plus d'obèses que de gens maigres. Et il commence à y avoir des obèses en Chine et au Japon, alors qu'il n'y en avait jamais avant, parce que les rations étaient quand même beaucoup plus limitées. Donc, que ce soit l'espérance de vie. L'espérance de vie, alors bien sûr, ce n'est pas uniquement un phénomène lié à l'énergie, c'est lié en partie à l'énergie. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, nous avons, d'après l'Organisation mondiale de la santé, il y a plus de 4 millions de morts par an en Inde et en Afrique, essentiellement, parce qu'ils n'ont pas l'électricité. Et donc, pour faire la nourriture, c'est essentiellement l'utilisation, ou pour s'éclairer, ces populations se chauffent, ou chauffent leur nourriture, sur des poêles qui sont dans la pièce principale, et qu'on alimente comment ? On alimente avec du bois, du charbon, avec des brindilles, enfin des broussailles, voire avec des bouses de vache, parce que ça brûle. Ça équivaut, pour les gens qui sont là, qui sont essentiellement les femmes et les enfants, à fumer, enfin l'équivalent de toxicité de 400 cigarettes. Donc l'air est totalement pollué, et d'après l'Organisation mondiale de la santé, c'est 4 300 000 morts par an. Alors, quand on explique à ces pays qu'il faudrait, pour avoir l'électricité, qu'ils construisent des éoliennes et des panneaux photovoltaïques qui ne peuvent absolument pas produire d'électricité, mais qu'il ne faut surtout pas qu'ils construisent des centrales à charbon ou à gaz, on prend une sacrée responsabilité. Parce que là, c'est vraiment des questions de vie ou de mort. Donc, alors heureusement, la plupart de ces pays ne nous écoutent pas. Donc, ça, c'est quand même une très bonne chose. Ils écoutent plutôt les Chinois. Ont très bien compris, puisqu'ils ont fait ça chez eux, les Chinois, et maintenant ils vendent des centrales électriques à l'Afrique, à l'Inde. Nous, on risque pas de les vendre, vu qu'on a tué notre industrie, puisque c'est très mal de brûler du charbon, on a tué notre industrie de centrales, et on a interdit aux banques françaises de financer des centrales à charbon ou à gaz dans les autres pays. Donc on ne risque pas, évidemment, de créer beaucoup d'emplois comme ça. Mais ça fait partie du panorama d'ensemble. Bon, alors voilà, si vous voulez, un petit peu en désordre, enfin peut-être pas trop en désordre, le panorama d'ensemble. Alors maintenant, avant qu'on passe aux questions, il y a quand même une interrogation qui vaut la peine qu'on s'y arrête. Pourquoi est-ce qu'on a cette désinformation ? Qu'est-ce qui explique ça ? Et alors, l'explication que je donne dans ce livre est très factuelle. C'est la conjonction de deux causes. D'abord, il y a un nombre très limité de personnes qui, il y a une trentaine d'années, ont imaginé cette thèse que le CO2 était dangereux, allait bouleverser le climat. Il y a essentiellement un Suédois, un Canadien, un Américain. Et ces personnes étaient très activistes. Et comme d'ailleurs beaucoup de leurs successeurs aujourd'hui sont extrêmement activistes. Et l'une de ces personnes, en l'occurrence le Canadien, a réussi à se faire nommer secrétaire général adjoint des Nations Unies. Donc il a pris le pouvoir au sein des Nations Unies. Non, c'est Strong. C'est Maurice Strong, le Canadien qui s'est fait nommer secrétaire général adjoint des Nations Unies. Silence au fond. Et qui a créé ensuite l'organisme qui s'appelle le GIEC. Donc, ces gens étaient convaincus, mais en réalité convaincus de quoi ? Convaincus que l'homme était mauvais. Parce que c'est ça, la base. C'est une croyance, appelons-la philosophique ou religieuse, mais qui est la base de tout cet activisme. L'homme est mauvais. Et là, ils ont trouvé une preuve extraordinaire. L'homme produit du CO2, le CO2 s'accumule dans l'atmosphère, donc l'homme est en train de détraquer la planète et de nous mener à la catastrophe. Alors ça, c'est pas une idée nouvelle. Hein. Jean-Jacques Rousseau, c'était déjà un peu ça. Hein. Il y avait le bon sauvage et puis la civilisation qui corrompait le bon sauvage. Bon sauvage,
il tuait ses ennemis d'une manière qui n'était pas terrible, enfin bon, peu importe. Mais donc, c'est une, j'allais dire, c'est vieux comme le monde, en tout cas, pas comme le monde, mais enfin, c'est déjà assez vieux. Et bien entendu, on nie ces gens-là, nie l'idée de progrès. Le progrès ne peut être que négatif, puisque l'homme étant mauvais, les conséquences du progrès ne peuvent être que négatives. Il faut dire d'ailleurs que ce qui s'est passé sur la planète au XXe siècle explique en partie la réaction de ces gens-là. Enfin, ce qui s'est passé au milieu du XXe siècle n'est quand même pas la gloire d'une humanité. Donc, c'est ce phénomène de croyance dans la malfaisance de l'humanité, portée par des gens remarquablement professionnels, qui ont réussi à prendre le pouvoir au sein de l'instance suprême, les Nations Unies. Et ça s'est traduit par une première conférence, alors là je parlais de la COP 23, COP 24, la première ça s'appelait la COP 1, qui s'est tenue à Rio de Janeiro, en 1992, il y a donc 25 ans, il y a un quart de siècle, au cours de laquelle on a décrété, tous les chefs d'État étaient là à peu près, il y avait 30 000 participants, il y a toujours beaucoup de monde dans ces réunions, que le gaz carbonique, c'était un produit des activités humaines, qui était nocif, le gaz carbonique était nocif. Et c'est devenu la croyance que nous connaissons aujourd'hui. Donc, ça a été professionnellement organisé. Il faut savoir, par exemple, que les experts qui produisent les rapports sont sélectionnés avec l'aval de Greenpeace, c'est dans les statuts du GIEC, avec l'aval des ONG, soi-disant, qui veulent le bien de la planète. Et donc, le système a été verrouillé. Alors, il est verrouillé d'une autre manière, c'est que les rapports qui sont préparés par les experts consultés, et on parle chaque fois de milliers d'experts, n'ont rigoureusement aucun rapport avec le communiqué de presse final, qui dit généralement le contraire de ce qu'ont dit les experts. Mais comme les experts, il y en a des milliers, alors il y en a quelques-uns qui ont dit, mais non, c'est pas possible, on démissionne. Bon, on dit, mais monsieur, vous démissionnez, il n'y a aucun problème. Bien entendu, après, vous n'avez plus de crédit, vous n'avez plus de laboratoire, vous n'avez plus rien, mais vous êtes libre de démissionner. Alors il y en a qui l'ont fait, il y en a quand même quelques-uns. Mais tout l'argent qui est considérable, c'est des milliards de dollars ou d'euros chaque année de recherche et d'études vont uniquement à ceux qui sont bien pensants et qui vont travailler pour montrer la nocivité des activités humaines. Alors pourquoi est-ce que ça a pris autant? Donc la théorie, ça a été remarquablement organisé, professionnellement organisé. Il y a une autre raison, c'est que l'ambiance était réceptive. Alors c'est assez curieux, on a cru au progrès. On a cru au progrès le siècle des Lumières, le siècle de la croyance dans l'intelligence humaine, le 19e siècle aussi, probablement le début du 20e siècle, et puis, je le disais tout à l'heure, il y a quand même eu une cassure terrible avec la Seconde Guerre mondiale, le Second Conflit mondial, et là on s'est dit, alors terminant par les bombes nucléaires, disant, mais non, le progrès, c'est pas ça. Alors bien sûr que si, le progrès est là, simplement cette vision négative du progrès, c'est une vision de riche. On va presque dire que c'est une vision de bobo, parce que aller expliquer ça à l'Indien ou à l'Africain qui lui n'a rien, qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas, il vous dira, vous vous moquez de moi, moi j'ai qu'un rêve, c'est de faire ce que vous faites. Mais pas du tout. Là, on est en circuit fermé. D'ailleurs, c'est très amusant, les déclarations que vous voyez, on ne fait jamais référence qu'à nous. Hein. On vous dit jamais comment vit l'Africain ou l'Américain du Sud. Donc, le contexte de notre époque est réceptif. Et ça n'aurait pas été le cas il y a un siècle, mais réceptif à ces idées négatives, à cette vision négative de l'homme. Et donc, voilà. Alors, quelles sont les conséquences pour nous? Les conséquences sont graves. Bon, elles sont d'abord graves sur, je dirais, la vision partagée que la plupart de nos compatriotes, nos concitoyens, nos contemporains plutôt, ont du monde. C'est une vision négative. Le président Obama est venu en France il n'y a pas longtemps. Alors, c'est extraordinaire. Il a dit, mais il ne faut pas avoir de vision pessimiste de l'humanité. Il faut avoir une vision optimiste, croyez en l'avenir. Et en même temps, il a expliqué qu'on allait à la catastrophe parce qu'il y a de plus en plus de CO2, que le climat a été déréglé, etc.
s'est pas rendu compte que c'était un peu contradictoire. Ben non, pas du tout. Mais il n'est pas le seul. Hein. Je parlais de notre chef d'État. Ben, c'est pas du tout une attaque personnelle, mais c'est pareil. Hein. Qui est optimiste, mais qui vous répète qu'on va à la catastrophe. C'est un tout petit peu contradictoire. Donc, c'est le premier côté négatif de cette situation. C'est d'inculquer, y compris dans les livres des écoles. C'est ceux qui ont vu... Ben, ou la curiosité, ou simplement qu'on fait travailler, ce qui m'est arrivé, mes petits-enfants, sur les livres scolaires aujourd'hui, c'était absolument extraordinaire. Alors d'ailleurs, leurs parents, qui sont plutôt mes enfants, puisqu'il s'agit de petits-enfants, ont été formés par peut-être leur père. Et mes petits-enfants disent, oui, je sais que tout ça, c'est complètement faux. Hein, c'est, maman l'a dit, mais elle a dit, il ne faut surtout pas le dire au professeur. Donc, on inculque cette vision négative des choses, et ça, c'est quand même extrêmement négatif. Et puis, deuxième aspect, c'est le gaspillage colossal de ressources et d'argent qui est fait au nom de cette sauvegarde de la planète et de l'humanité. L'Allemagne est un exemple, mais elle n'est pas seule, hein, nous aussi. L'Allemagne est un exemple assez caricatural, parce que je veux parler de leur production d'électricité. Alors, la production d'électricité allemande, c'était des centrales à charbon, essentiellement, pas mal de nucléaire, et puis c'est à peu près tout. Mais alors, les écologistes ont dit que le nucléaire, c'était une catastrophe, donc il faut arrêter le nucléaire et le remplacer par des énergies renouvelables. Donc on retombe sur les éoliennes qui marchent un quart du temps, et les panneaux photovoltaïques en Allemagne du Nord, évidemment, ça marche 10% du temps, et encore. Eh bien, alors, ce qui amène les Allemands dans une impasse totale, parce que les mêmes écologistes vous disent qu'il ne faut plus faire de centrales à charbon. Donc, si vous faites de l'électricité sans nucléaire et sans centrales à charbon, vous me donnerez la recette, parce que, encore une fois, le vent, ça ne marche qu'un quart du temps, et le courant électrique, les photovoltaïques, encore moins. Alors, bien entendu, ça c'est ce qu'ils disent, c'est pas ce qu'ils font. Enfin, ils sont en train quand même d'arrêter le nucléaire, parce qu'Angela Merkel est prête à tout pour être réélue, donc elle a dit oui, après ce qui s'est passé au Japon, on arrête les centrales nucléaires, ils sont en train de les arrêter, mais ils sont obligés de construire des centrales à charbon, et qui polluent, en tout cas, pas seulement d'ailleurs en émettant du CO2, mais en émettant des produits nocifs, qui sont des acides, qui eux sont des vrais polluants. Donc, tout ça ne tient absolument pas debout. Mais quel est le résultat? Le résultat, c'est que les Allemands payent leur électricité deux fois plus cher que nous. C'est au moins 24 milliards d'euros par an. C'est quand même pas rien. 24 milliards d'euros par an qui ne servent à rien, mais que paye le consommateur allemand. Et encore, je discutais avec un spécialiste de la question qui me dit qu'en réalité, c'était beaucoup plus que ça, c'est probablement deux fois plus que ça. Mais enfin, même si ce n'est que 24 milliards d'euros par an qui ne servent à rien, c'est quand même une somme qui n'est pas négligeable. Ben, nous nous engageons dans la même voie, mais exactement la même voie, puisque là, les Allemands sont absurdes, mais nous, on est au moins aussi absurdes, parce qu'il se trouve que nous avons un parc nucléaire surdimensionné. On en a construit beaucoup de centrales nucléaires il y a une trentaine d'années. C'est remarquable, ça produit l'électricité qui n'est pas chère, mais plus que nos besoins. Donc nous exportons de l'électricité. Alors pourquoi diable va-t-on construire des éoliennes et des panneaux photovoltaïques qu'on subventionne? On n'en a aucun besoin. Et en plus, c'est extrêmement négatif à tout point de vue, parce que ces installations qui fonctionnent quand il y a du vent ou quand il y a du soleil, il faut pouvoir accepter l'énergie, l'électricité produite. Donc il faut changer les réseaux. Et puis il faut avoir des unités capables de se substituer à elles si le vent s'arrête. Et pour ça, il faut construire des centrales à gaz. Donc on est dans un monde de fous. C'est-à-dire qu'on n'a besoin de rien. Et notre électricité, si on suit l'exemple allemand, ben, le prix va doubler, mais absolument pour rien. Pour rien, entendons-nous bien. Il y a quand même beaucoup de gens qui gagnent énormément d'argent dans l'histoire. Hein. Ça, je peux vous dire qu'il y a des milliardaires en euros qui se sont constitués leur fortune à base d'éoliennes. C'est vraiment une manière absolument scandaleuse, mais parfaitement, juteuse, enfin profitable, de se constituer une fortune. Parce que vous avez une garantie d'achat par EDF
d'après la loi, de l'électricité que vous allez produire, trois fois le prix auquel EDF paierait son électricité si on ne faisait pas ça. Trois fois le prix. Et comme maintenant, on a trouvé que ce n'était pas assez, on est en train de développer en mer des éoliennes maritimes, en pleine mer. Et là, le prix garanti, c'est 5 à 7 fois le prix du marché. Donc, évidemment, quand vous vous mettez quelque part dans le dispositif, pas très difficile de récolter quelques centaines de millions, mais je vous rassure, il y en a qui ont récolté plus d'un milliard, qui sont d'ailleurs partis tout de suite habiter en Suisse, parce qu'ils sont d'excellents citoyens, mais c'est pour dire quand même qu'on est dans une situation un petit peu grave. Et le coût des mesures que l'on prend, alors on les prend pour la fabrication d'électricité, sans aucune raison, mais on les prend aussi pour les voitures. Bon, il y a des normes de plus en plus contraignantes une fois qu'on a équipé les voitures de manière à ce que les émissions soient dépolluées, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Mais pour montrer l'irrationalité dans laquelle nous sommes, il y a très peu de temps, on encourageait tout le monde à acheter des voitures diesel. Parce que le diesel consomme moins que l'essence, donc produit moins de CO2. Ben, vous avez vu qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Alors le diesel va être interdit, alors qu'on nous a expliqué pendant des années que c'était le diesel qu'il fallait acheter parce qu'il émettait moins de CO2. Il émet toujours moins de CO2. Mais ça ne fait rien, il va falloir l'interdire. Puis il faut aller vers la voiture électrique. Alors la voiture électrique, bon, je crois que c'est 1% du marché mondial, encore je ne suis pas sûr. Tant que c'est 1% du marché mondial, ça va. Mais quand ce sera plus, comment est-ce qu'on va fabriquer les batteries? Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le produit pour fabriquer les batteries. Qu'est-ce qu'on fera des batteries usagées? Et puis, ça coûte beaucoup plus cher. Le moteur électrique coûte pas cher, mais quand vous additionnez le coût de la batterie qu'il faut remplacer, les voitures électriques, ça coûte beaucoup plus cher que les voitures à essence ou diesel. Il paraît que c'est l'avenir, et Mme Hidalgo, pour ne pas la citer, va interdire les voitures diesel d'abord, même si c'est elles qui produisent moins de CO2, et ensuite a émis l'idée qui ne se produira pas d'interdire toutes les voitures au nom de la sauvegarde de la planète, bien entendu. Donc ce sont des mesures qui seraient anecdotiques si en réalité elles ne coûtaient pas extrêmement cher, et si tout l'argent qu'on mettait, et j'avais tous les cerveaux qu'on met, il faut savoir, il y a des milliers d'ingénieurs qui travaillent sur cet objectif de diminuer les émissions de CO2, dont je suis arrivé à la conclusion qu'elles étaient plutôt positives, ne serait-ce que par l'impact sur l'agriculture, mais non, le CO2 c'est le mal, il faut les réduire. Donc on dépense des sommes absolument gigantesques qu'on pourrait utiliser sciemment pour des causes qui le mériteraient mieux. Alors voilà, si vous voulez, très, très rapidement, un tableau de ce domaine qui est un peu complexe, et je suis prêt à répondre aux questions. Merci beaucoup.